l'ensemble des Ivoiriens avec à leur tête le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour vous dire bravo aux éléphants U17 qui, encore une fois, par leur performance, par leur qualité de jeu, par leur témérité, viennent de nous rapporter en Côte d'Ivoire ce trophée. Ce trophée qui est le symbole de la vitalité de la jeunesse ivoirienne. Et nous voulons donc vous dire bravo. Le sport, c'est ça, l'occasion de le dire, c'est une belle occasion pour nous rassembler. C'est une bonne opportunité pour montrer que la Côte d'Ivoire sait se retrouver autour des valeurs de fraternité, de cohésion. C'est cela que porte le sport, et justement porté par des jeunes, les U17, qui viennent de se qualifier pour la même occasion pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, qui aura lieu au mois de mars, et nous donne une opportunité d'une légitime fierté. Donc au nom du gouvernement, au nom du président de la République, nous sommes là pour vous dire bravo, merci de donner de la fierté à notre pays, merci d'avoir porté haut le flambeau de notre pays, bravo aux encadreurs, surtout à votre dynamique et brave entraîneur Dao, qui a montré qu'on peut faire confiance aux entraîneurs locaux qui ont du talent pour former et préparer la jeunesse de demain. Merci à Youssouf Faliko Fofana qui est resté à côté de ses jeunes frères pour les booster, ainsi qu'au coach adjoint et à l'ensemble de la délégation. Vous avez là l'expression de notre fierté. Et puis à toute l'équipe de l'encadrement de la Fédération Ivoirienne du football, c'est de dire de continuer à travailler avec toujours force, vigueur pour le rayonnement de notre pays. Vive les éléphants, bravo aux éléphantaux, et puis à demain pour la victoire. La chef, la chef.